on a rendu normal l'égalité de traitement en faisant normalement notre métier. Je dirais qu'on est dans une courbe d'apprentissage et que les différences, pour peu qu'il y en ait, elles sont vraiment liées à de la méconnaissance. Il n'y a pas de volonté de nuire. Il y a un gros travail qui est fait en formation. Aujourd'hui, on a près de 3000 collaborateurs qui ont été formés contre les discriminations. Nous avons à ce jour formé plus de 5 500 managers. Notre objectif est de former 8 000 managers d'ici la fin 2010. Nous avons créé en 2006 les forums emploi et diversité. Grâce à ces forums, plus de 1 500 personnes ont pu passer un premier entretien d'embauche et pour certains d'entre eux, accéder à un emploi. L'Oréal s'est engagé dans le cadre du plan banlieue et nous nous sommes engagés à recruter à hauteur de 12% de nos recrutements totaux, des jeunes issus des quartiers sensibles, donc en CDI, en apprentissage ou en stage. Et à l'issue de 3 mois, après la signature de cet engagement, nous avions déjà réalisé nos objectifs, qui représentent environ 200 personnes, 200 jeunes recrutés concrètement au sein du groupe. Aujourd'hui, les femmes représentent plus de la moitié des effectifs, mais surtout 35% des membres des comités de direction, 15% des membres du comité exécutif. Et je pense que ces résultats n'auraient pas été possibles sans l'implication de la direction générale, mais surtout sans la vigilance des managers opérationnels au quotidien tout au long de ces dernières années. La vigilance, c'est s'assurer que les promotions sont accordées au regard des compétences uniquement et non pas du sexe de la personne.